C'est parti pour l'ouverture de cette Ligue 2, de cette 18e journée avec un 18e journée, pas journaux. Oui, on peut ouvrir les journaux aussi pour regarder les résultats. Des fois, c'est plus facile. Et puis, non, on va parler de la 18e journée qui avait lieu ce week-end. Je vais vous donner tous les résultats. Et puis ensuite, vous faites le 0-3 à 81, 50, 67, 51. Et puis, vous venez en direct. Nous parler de votre ressenti sur le match du FC Sochaux Montbéliard et puis également sur l'actualité sochalienne ou l'actualité de la Ligue 2 tout simplement et le prochain match aussi en Coupe de France donc n'hésitez pas à nous appeler et puis vous êtes toujours sur Shalom Besançon. J'ai donné le numéro ? Je ne sais même pas si j'ai donné le numéro au téléphone. 03 81 50 67 51. Vous pouvez nous appeler. Allez-y. On va regarder les résultats de cette 18e journée avec Quevilly qui est allé battre le Pau FC 2 buts à 1 avec Didier Tolo qui était très énervé après l'arbitrage. Ensuite, la rencontre entre Caen et Guingamp, victoire de Caen, 2 buts à 0. Le Paris FC est allé s'imposer largement du côté de Valenciennes, 4 buts à 1. Valenciennes qui sort le prochain adversaire pour terminer l'année 2021 pour les Sochaliens, on en reparlera tout à l'heure. Et puis ensuite, Nîmes a battu Nancy 2 buts à 1. C'est compliqué pour cette équipe de Nancy et le coach Benoît Pedretti. Auxerre est allé s'imposer du côté de Dunkerque 2 à 0. Amiens a battu Grenoble 4 buts à 1. L'AC Ajaccio, un peu plus tôt dans la journée, à 15h, s'était imposé dans les dernières minutes à la 85e sur un but de Gaëtan Courtet du côté du Havre. Un petit but à 0, mais ça suffit, c'est 3 points. Et puis on va s'intéresser avec Dijon également, qui a fait un match nul face à Niort, 2 buts partout. Bon, t'as été surpris des résultats, Fred, ou pas, là, de ce week-end ? Ouais, écoute, pour ce show, c'est déjà bien qu'ils aient fait match nul pour mettre la pression sur les Toulousains. Déjà, c'est Ajaccio qui est devant. Oui, vas-y. Mais non, je veux pas être un problème de son. Non. Non, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Non, on s'en sort pas trop mal, on est. Mais bon. Bah, vu le scénario de la première période, oui, on prend un bon point. Essayer d'entrer dans le top 3 maintenant. Oui, bah après, surtout y rester. Ouais. Surtout rester déjà dans le top 5, c'est bien, mais c'est vrai que ça reste quand même un bon point. Après, ça dépendra de ce que fera Toulouse dans le derby occitanien contre Rodez ce soir. Oui, aussi, c'est vrai que si Toulouse s'échappe, ça peut être compliqué. Moi, je te propose de revivre un petit peu ce résumé entre Bastia et Sochaux. 2 buts partout, des buts dont un but hors-jeu. Oui, il faut quand même le dire. Hein. Voilà. Désolé pour les arbitres, mais ce but n'aurait pas dû être validé, car on voit bien que le joueur Christophe Vincent est bien hors-jeu. Mais en tous les cas, ce but a été validé. 28e minute de jeu, ensuite 35e, c'est Idriss Saadi qui marque le deuxième but de cette équipe de Bastia, donc 2 à 0 à la mi-temps. Et ensuite, en fin de partie, Aldo Kalulu, 79e, va inscrire un but. Rasoul Ndiaye, dont c'était l'anniversaire, donc bon anniversaire à lui. Et en plus, comment bien fêter son anniversaire, en marquant un but tout simplement. Au 20 mètres, il frappe. Il décoche une superbe frappe et en tous les cas, ça fait but. 87e minute de jeu, on en restera 2 buts partout, à savoir que Sochaux a aussi frappé un pénalty sur la barre transversale. Allez, vous avez envie de réécouter cette partie ? Allez, on y retourne. Bastia 18e reçoit Sochaux 3e. Des Sochaliens qui restent sur une victoire après 2 nuls et 2 défaites. Les Lyonceaux occupent donc toujours le podium de la Ligue 2 BKT. Ils vont essayer de faire un résultat en Corse, emmenés par Weisbeck, Mauricio et Kaloulou. Bastia de son côté reste sur une défaite après 2 victoires et 1 nul. Ça s'est un petit peu amélioré, mais Bastia est toujours dans les 3 derniers du championnat. Premier mouvement intéressant pour Bastia. Le ballon est contré
par Janin qui garde le but de Sochaux. Mais ça revient sur Christophe Vincent. 1-0 pour le Sporting Club de Bastia à la 28e minute. Il y a beaucoup de réussite pour Vincent. Il croit que l'action est terminée, mais le ballon lui revient dessus. Il n'est pas en jeu et le but lui est bien attribué sur le tir de Roncaglia. Premier but en Ligue de BKT pour Christophe Vincent. Ça fait 1-0 pour le Sporting. 2-0 même à la 35e minute. Ce but-là est beaucoup plus clair. Santelli à la passe, Idriss Saadi à la conclusion. Troisième but de la saison pour Saadi. Bastia a fait la différence. Belle efficacité de l'équipe corse. Sochaux s'est fait surprendre. Les joueurs de Mardaf n'y sont pas. Et Bastia mène 2-0 à la mi-temps. Très bon comportement des joueurs locaux. Ils ont fait ce qu'il fallait pour s'adjuger une victoire qui serait extrêmement précieuse contre une équipe du podium du championnat. Sochaux doit revenir avec d'autres intentions en seconde période. Mais Bastia continue au retour du vestiaire à avoir de bonnes situations avec ce tir. Même s'il n'est pas assez convaincant et assez dangereux pour battre Mehdi Janin. Sochaux trouve enfin quelques solutions. Un ballon dans la surface. Un contact et le pénalty en faveur des Sochaliens. Voilà l'occasion de se relancer. 67e minute, Aldo Kaloulou pour ce tir sur la barre transversale. C'était l'occasion de réduire l'écart et de se relancer avec suffisamment de temps ensuite pour égaliser. Mais Kaloulou manque son tir, il ne parvient pas à cadrer ce pénalty. Nouvelle action pour Sochaux avec ce coup franc. C'est tiré au-dessus. Les minutes s'amenuisent et Bastia semble se diriger vers la victoire. Attention à cette balle récupérée par Sochaux. Une contre-attaque possible. Aldo Kaloulou est bien lancé. Il va beaucoup plus vite que le défenseur. Kaloulou, dans un angle un peu fermé, réussit cette fois-ci à marquer. Il rattrape un petit peu son échec sur pénalty. Cinquième but de la saison pour Kaloulou, bien lancé par Gaëtan Weisbeck. Il n'y a plus que 2-1 en faveur de Bastia. Il y a donc du suspense dans cette fin de partie. Quelques minutes à jouer encore. L'action en faveur de Sochaux et ce tir victorieux de Rasoul Ndiaye. Le deuxième but de cette saison de Rasoul Ndiaye. 87e minute, c'est cruel pour Bastia. Le ballon ne peut être sorti du cadre par Vincent Zini. Terrible pour Bastia, mais Sochaux s'est arraché en fin de match pour aller chercher le point du nul. Bastia menait 2-0 jusqu'à la 79e minute. Mais il y a bien match nul à l'arrivée. Deux buts partout entre Bastia et Sochaux. Et oui, c'était donc le résumé entre Sochaux et Bastia. Et là, on est avec un supporter. Bonsoir. Bonsoir Fred, bonsoir à tous. Est-ce que tu nous entends bien? Pas tellement bien, non. Pas tellement bien. Pas tellement bien, comme si en fait j'avais mis mon téléphone en sourdine, tu vois. Oui, effectivement. T'as un problème de téléphone? Comment? T'as un problème de téléphone? Non, c'est pas le mais téléphone. Écoute, non, je t'entends mieux là, Fred. Tu m'entends mieux? Ouais, je t'entends mieux là. Bon, puis là, comme ça, c'est bon? Impeccable, je change pas. Bon, voilà, si ça va mieux. Je change pas l'équipe qui gagne. Exactement, je change pas l'équipe qui gagne. Bon, on espère qu'elle va gagner samedi. Hein. Bah écoute, il faut, hein. Bon, qu'est-ce qu'on a pensé de ce match cette année, Il faut finir cette année, ça serait bien qu'on élimine les Canaries de Nantes. Hein, et puis ça serait bien, ben, surtout qu'on batte Valenciennes à la maison dès mardi matin, quoi. Mais oui, pour terminer cette année sur des bonnes notes. Pour terminer l'année 2021. Ben moi je trouve qu'elle n'est pas si mal que ça. Non mais je dis pour terminer l'année 2021, ça serait bien deux victoires. Ah ben bien sûr, exactement, ça serait bien deux victoires, comme tu dis, ouais. C'est à domicile. Comme tu dis. Exactement. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'on a vu quand même du mental. Hein, on a quand même du mental. Hein. Tu prends le match contre Pau, et ben je veux dire, t'as pas de mental, tu gagnes pas ce match. Hein. Le match à Bastia, c'est pareil. Tu perds 2-0, on a un mental en plus de 2. Il y a quelques années en arrière, ces matchs, on les perdait. Hein, il faut savoir d'où on vient, de se souvenir d'où on vient. Et moi, je trouve que le mental, on l'a. Donc, il y a possibilité qu'on batte Nantes, qu'on les élimine. Et puis, il y a une possibilité aussi qu'on gagne contre Valenciennes. Puis, il faut gagner au moins contre Valenciennes. Oui. Oui, ça sera pour terminer déjà le championnat. Après, c'est vrai que ce match de samedi...
contre Nantes, c'est un petit peu, on va dire, la cerise sur le gâteau pour tout le monde, pour les supporters, pour... je trouve que c'est assez sympa. Et puis, en plus, ça va être face à une Ligue 1, donc ça va être sympa aussi de se mesurer à une Ligue 1 pour voir déjà si on a le niveau. Bien sûr, si exactement, comme tu dis, c'est très bien pour le public, c'est très bien pour nos joueurs, c'est très bien pour le staff qui font du bon boulot, c'est très bien pour tout le monde. Donc, voilà, et donc c'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible bien du sûr. Tout. Donc, c'est à nous de rentrer dans le match comme on rentre d'habitude, de pas avoir peur et puis de bien rentrer dans le match et puis de dire... on va les battre, et puis on va les battre. Moi, j'en suis persuadé que cette équipe-là est capable de les battre et on va les éliminer. Bon, ce ne sera pas la première qu'on élimine en Coupe de France, hein, parce que par le passé, on a déjà éliminé Saint-Etienne, on a éliminé d'autres clubs aussi également, et c'est vrai que souvent, on a l'impression que le jeu de Sochaux est des fois plus adapté au club de Ligue 1 qu'au club de Ligue 2. Hein, c'est vrai, parce qu'on a toujours fait des surprises. Bon, après, c'est vrai qu'on est toujours dans la peau de l'outsider, bon, on ne va pas dire que c'est plus facile, hein, parce que c'est quand même une Ligue 1 en face, mais c'est vrai que c'est souvent... Parce que ça joue, quoi, la Ligue 1, parce que ça joue, puis bon, là, c'est un match de coupe, donc il n'y aura pas le choix que les Nantais se livrent aussi à fond comme nous, et puis, donc voilà, puis on a un match, ben, tout est possible. Puis ça ferait bien qu'on élimine au moins Nantes, parce que, ben, c'est chez nous, quoi. C'est ça. Voilà, de dire au moins, on aura battu Nantes, une Ligue 1, chez nous. C'est ça. Ah, allez. Mais après, comme tu dis, Fred, c'est la cerise sur le gâteau. Oui. C'est le plus. Oui, c'est le plus. Ça va être une belle fête. Ça va être sympa. On espère que le temps sera de la partie. On fait un petit retour quand même sur ce match de Bastia. Alors pour toi, le premier but, oui. Alors parce qu'on a fait un petit sondage sur la page Union Sport. Oui, excuse-moi Fred. Sur la page Union Sport, on a fait un petit sondage. Bon, beaucoup de gens, beaucoup de supporters disent que c'est hors-jeu. Pour moi, honnêtement, il n'y a pas hors-jeu. Parce que Abdallah Ndour et puis Pogba, ils sont sur la même ligne que le gars qui est par terre. Voilà. Après, hors-jeu ou pas hors-jeu, le problème qu'il y a, c'est que l'arbitre a validé le but. Donc voilà. Donc on a été mené à 0, on a été mené 2-0, on a dit qu'à temps, on est revenu à 2-1 et on a arraché le match nul. Par Rassoul. D'ailleurs, Rassoul, je sais pas s'il nous entend, mais bon air à toi, c'est bien que tu t'es fait un beau cadeau. Oui, on lui a déjà dit tout à l'heure, oui. On a du mental. C'est ce qu'il faut. C'est jamais facile de gagner en course Fred. Non. C'est jamais facile. Et honnêtement, un match nul. Ok, ils sont 18e ou 17e, ok, mais ces matchs-là, quelques années en arrière, tu les perdrais. Donc on a du mental cette année, c'est très bien. C'est très bon, on a su revenir à la marque, malgré les faits de jeu, qu'on a qui disent qu'ils sont au jeu, etc. Mais on est revenu de 2-0 à 2-2, c'est bien. Franchement, moi je le trouve que c'est bien. Bon, par contre, la première période a été très compliquée quand même hein, pour les Sochaliens. Voilà. Ben, c'est dommage de pas. Ouais. C'est dommage de pas. Un match, c'est 90 minutes. C'est ça. Voire plus. C'est ça. C'est pas uniquement une période. Je sais pas, alors que je sais pas, parce que c'est vrai que c'est souvent, hein. Oui. Malheureusement, moi je te donne bon, Fred, pour moi, c'est ce qui risque de faire la différence, c'est que on peut pas jouer 90 minutes. C'est, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est la peur ou si le joueur il se donne tellement en fond qu'ils sont plus fatigués que d'autres pendant le match, je ne sais pas. Oui, c'est puis après, on pourrait. C'est vrai, on pourrait se dire c'est un problème physique, mais non, parce que quand on regarde l'équipe, à la fin, elle arrive à accrocher, à aller chercher l'égalisation. Donc, c'est pas forcément physique, parce qu'on sent qu'ils ont, ils ont de la ressource encore. Ben ouais, je ne sais pas. Après, moi, je pense que la Ligue 2, elle est relevée de plus en plus. Tous les ans, elle est de plus en plus relevée. Alors après, bon, moi je ne sais pas, il ne faut pas trouver les excuses, c'est clair, mais c'est dommage. C'est dommage, voilà. Après, moi je pense que ça vient, entre guillemets, qu'on n'a pas assez, que l'effectif n'est pas assez renforcé. Oui, parce qu'on aurait plus de joueurs. Omar pourrait plus permuter avec certains joueurs, mais là le problème, c'est qu'il ne peut pas, parce qu'il n'a pas de bon, il n'a pas un effectif assez riche. Donc, c'est parce que peut-être qu'on en demande de trop. Et puis, à un moment donné, ces joueurs-là, ils sont fatigués, quoi. Bon, pour toi, les dirigeants doivent renforcer cette équipe au mercato. C'est obligatoire. Pour moi, oui. J'espère que, voilà, même ils le disent. Hein, même tu discutes avec Omar, même ils le disent. Hein, que, voilà, alors, faut que tu parles bien dans ton téléphone. Cédric, comment faut que tu parles bien dans ton téléphone parce que on t'entend de loin. Tu m'entends pas, tu m'entends là ? Oui. Ouais, je te disais, après, ben, on le sait tous hein, qu'il voilà. faut là, c'est mieux. Un renfort, qu'il faut notamment un vrai buteur.
Mais ils le savent, hein, discuter avec Omar, avec peu importe du staff, ils le savent. Mais bon, voilà, après, est-ce qu'on va avoir la chance? Est-ce que Omar et son staff vont avoir la chance d'avoir un ou deux jours supplémentaires, d'avoir les jours qui manquent? Là est la question, ça serait bien. Ça serait bien. Après, Omar et son staff font du très très bon boulot avec les jours qui viennent. Ils font du très très bon boulot. Voilà, c'est ce on t'entend plus là, on t'entend plus là. T'es parti là. Comment? T'es parti loin là. C'était bien. Ah, là, ben, pourtant, j'ai pas bougé, Fred. Voilà, là bon, c'est après, mieux. Sinon, ils sont là, c'est peut-être pour ça. Hein. Non, mais là c'est mieux. Voilà. Là, je suis mieux là. Bon, ok, ça marche. Tu m'as entendu un petit peu quand même ou oui, oui, non, on entendait bien, mais je sais pas, par moment, on a l'impression que le téléphone se dérobe ou la voix s'en va. Ouais, mais non, j'ai pas envie de faire rien du tout, donc non. Puis je reste là la journée, donc je crie pas. Non, mais bon, voilà, après ça, c'est pas leur sort. Hein. Voilà, si par bonheur, Omar et son staff, ils ont les joueurs qu'ils veulent, eh ben tant mieux. Si par malheur, il n'y a personne qui vient, ben, il faudrait que cet effectif-là. Mais c'est vrai que l'effectif-là, comme on le dit depuis le début de la saison, il est un petit peu réduit. Mais par contre, que ce soit nos joueurs et le staff, ils font du très très bon boulot. On n'a rien à... Quand moi, personnellement, je parle pour moi personnellement, j'ai rien à leur reprocher. Parce que ça fait longtemps que ce classement-là, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué en Ligue 2. Hein. Voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, Fred, il faut savoir d'où on vient. On l'entendait partir de plus en plus, de plus en plus loin, puis ben, on l'a perdu. Et il est parti très loin, et puis là, on ne l'entend plus. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, ben, c'est les mystères. Technique au niveau de l'insert, ou je sais pas, l'insert téléphonique. Ben, je sais pas, c'est quand même assez souvent qu'il y a des soucis téléphoniques, donc je comprends pas. Je comprends pas trop, donc... Ouais, on va attendre, on va voir si d'autres personnes nous appellent, puis on verra si on a le même souci. Tout de suite, on va écouter les réactions entre Bastia et Sochaux, les réactions de l'entraîneur Omar Daf et puis également de Régis Brouard, qui est l'entraîneur du Sporting Club de Bastia. Un sentiment de frustration, parce que les 10 premières minutes, c'est pas ce qu'on voulait faire. Après, il y avait une équipe de Bastia en face qui a joué avec beaucoup de cœur, beaucoup d'engagement. Au bout de 10 minutes, on a repris le dessus. Et malheureusement, c'est au moment où on était le mieux sur la première mi-temps où on se fait punir. Mais ça n'enlève à rien. L'équipe de Bastia a dominé cette première mi-temps. La seconde était largement à notre faveur. Et ce soir, c'est un partage des points logique parce que chaque équipe a eu sa mi-temps. Mais je suis très déçu parce que sur la seconde mi-temps, on a montré notre vrai visage. En première mi-temps, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ce qui est dur, c'est de prendre ce premier but qui est hors-jeu. Et sur le second but, Abdoulaye Ndour est blessé, il ne peut pas continuer l'action. Bon, ça fait partie du jeu maintenant. Nous, il faut qu'on regarde de l'avant, tirer des enseignements des choses qui ont été moins bien faites ce soir. Et ce qui est positif, c'est qu'en seconde mi-temps, on domine largement les débats, on revient au score, on loupe un penalty. Donc pour moi, c'est un point qui est mérité ce soir. Moi, à vitesse réelle, je voyais qu'il y avait hors-jeu parce que le joueur de Vincent est derrière Mehdi Jeannin. Donc voilà la raison pour laquelle on a réagi de cette manière-là. Après, ça va très vite. Voilà, ça va très vite. On sait que pour les arbitres aussi, ça va pas aller très vite. Donc de notre côté, il y a eu une certaine frustration parce que ça donnait vraiment beaucoup de confiance à cette équipe de Bastia. On s'est remis la tête à l'endroit pour essayer de revenir au score. Voilà, il y a ce deuxième coup dur avec la blessure d'Abdallah et dans la foulée, on encaisse un deuxième but. Mais je tenais vraiment à féliciter mes joueurs parce que venir ici à Bastia, marquer deux buts, revenir en étant mené 2-0, va être vraiment fort psychologiquement. Voilà, on a fait preuve de caractère comme lors de notre dernier... sortie contre Pau. Voilà, ça montre aussi des valeurs de cette équipe-là. On va continuer à travailler. Ce soir, on a pris un bon point ici. Les matchs sont difficiles, hein. C'est clair que, on le répète, on est très exigeant avec les garçons et je le serai jusqu'à la 38e journée. Je pense qu'on a des qualités pour faire les choses. On a encore un pénalty qu'on rate, donc des situations, nous en avons eu. Et voilà, c'est un sentiment mitigé parce qu'on passe à côté de notre première période. Et la seconde mi-temps, on est au-dessus. Et c'est frustrant en même temps. Je suis satisfait parce que, comme je le disais, c'est pas évident de venir ici
à Bastia de repartir avec un résultat, surtout quand on est mené 2-0 à la pause. Penser que le résultat il était acquis à un quart de la fin, sûrement. Pour se permettre de faire quelques fantaisies, vous faites punir. Quand vous faites 45 minutes pratiquement exceptionnelles, que vous jouez le troisième du championnat, une équipe qui n'est pas là pour rien, vous menez 2-0 au bout d'une heure de jeu, mais contre de tels adversaires, on peut pas se permettre une forme de largesse ou de se dire c'est bon. Non, c'est pas bon. C'est ça l'exigence. L'exigence de la performance, l'exigence de du résultat, l'exigence de la remise en cause, c'est tout ça. Voilà. Et on n'a pas su faire ça. Ouais. C'était la réaction de Régis Brouwer et puis également de l'entraîneur socialien Omar Dav. Alors, on va avec un autre auditeur, donc j'espère que ça va bien fonctionner. Bonsoir. Bonsoir Fred. Est-ce que tu nous entends bien? Oui, ça va, je vous entends, ça va. Ah bah là, ça va mieux. Donc, Ça va. On a eu des problèmes avec Cédric juste avant toi. Vous entendez bien, puis d'un seul coup... Il m'a dit, monsieur Chavassi. Voilà. Ah non, c'est Fred, c'est moi. Hein. C'est moi qui suis au micro, là. Ah, oui, et oui. Après, celui que tu as au standard, c'est Mr. Frédéric Fitch. D'accord, ok. Bon, Bernard, alors, ce match à Bastia, on en pense quoi? Ben, un peu frustré, parce que le premier but de Bastia est hors jeu, hein. Ah, Cédric nous disait le contraire à l'instant. Donc, bon, les avis sont... Pour moi, il est hors-jeu, mais les avis sont divergents. On voit bien quand même sur le ralenti que le joueur qui marque pour le but de Bastia, il est derrière le gardien. Bah, moi, je trouve aussi. Après, bon, c'est... pour moi, il y a hors-jeu indiscutable. C'est ça. Il y a hors-jeu indiscutable. Ça, c'est... Ça, moi, moi, j'ai pas vu le match, mais j'ai vu le résumé sur Google hier. Pour moi, il y a 100% hors-jeu. Ah bah après, tu peux aller voir sur notre page Facebook, on a mis aussi l'action, elle y est. Oui. Ah ben, j'ai même pas pensé. Ah bah alors, on pense pas à venir sur Soyons Sport. non, c'est une boutade, bien évidemment. Non, mais c'est vrai qu'après, bon, bah, le but a été validé, mais quand même, ce qu'il faut retenir dans cette partie, bon, c'est la mauvaise entame du FC Sochaux-Montbéliard sur la première période, mais c'est surtout le mental, parce qu'après, il faut revenir au score, il faut égaliser. Et ça prouve que cette équipe, elle a du mental. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, ils ont eu un sacré mental pour revenir à 2-2 quand même. Oui. Quoi. Ouais, c'est ça. Et, quoi. Et ils auraient même pu l'emporter. Bon, on a quand même deux balles de but qu'on loupe, quoi. Première mi-temps, Maxime Lecouteau, là, et je comprends pas pourquoi il la donne pas à Gaëtan Wesbeck, quoi. Oui, c'est vrai, il aurait pu, parce après. Parce que si lui donne, pour moi, il y a pute, hein, parce que après, il a un peu des... Bon, faut-il encore la mettre, hein. Oui, après, faut... C'est pas toujours facile, et puis le pénalty raté de Kaloulou. C'est vrai qu'elle est frappée. Il faut pas l'oublier non plus, voilà, quoi. Oui, c'est ça. Mais oui, non, mais c'est un match que Sochaux... Si Sochaux avait joué 90 minutes... Comme tu disais, le premier but est hors-jeu. Mais c'est, oui, comme tu dis, c'est vrai qu'ils ont eu quand même un mental d'acier pour revenir à 2-2, quoi. Bah, c'est ça qu'il faut retenir sur cette partie. Ça reste quand même un bon point, parce que vu le scénario... Voilà. Mais c'est ce que disait Omar Dav, ça reste un bon point, pris en course, parce bien que sûr. C'est jamais facile d'aller gagner à Furiani, hein. Bien sûr, oui, non, c'est jamais simple c'est jamais s'imposer, facile d'aller là-bas, quoi. S'imposer encore, surtout quand on est mené 2-0 à la mi-temps. Après, il oui, faut... Oui, de toute façon, comme je te disais, j'ai pas vu le match, j'ai écouté, parce que j'ai pas Amazon Prime, hein. Oui. J'ai écouté à la radio, Hervé Blanchard, il était fin énervé. Oh, il y a pas besoin d'être fin énervé, là. C'est le sport, hein. C'est pas énervé. Et puis quand ils ont égalisé, ils disaient 2-2, 2-2. Et puis ils restaient encore 4 ou 5 minutes, je crois. Oui, bah après, il faut garder ce point, hein. De toute façon, quand il reste 4-5 minutes, ou essayer d'aller chercher si on a encore un peu d'énergie. Mais c'est vrai, c'est sûr. Mais ce que je trouve regrettable sur ce match, c'est pourquoi qu'il ne fait pas jouer Rassoulen Diaye. Ah, après, c'est les choix de l'entraîneur. J'ai pas compris pourquoi il n'a pas mis titulaire d'entrée. Peut-être qu'à l'entraînement, cette semaine, c'était peut-être moyen, on ne sait pas ce qui se passe. Il n'était peut-être pas prêt pour jouer 90 minutes. Oui, peut-être aussi. Après, c'est l'entraîneur qui juge les joueurs physiquement capables ou pas capables. Après, c'est lui qui fait les choix. Après, c'est l'entraîneur qui décide. Hein. Oui, bien sûr, c'est toujours l'entraîneur qui fait les choix. Bon, mais c'est vrai que quand il a fait rentrer
Virginius, c'était Billy, et puis je sais plus qui le troisième attaquant. Voilà. Là, par contre, on peut aussi... De toute façon, à 2-0, c'est simple. Quand tu reviens, pour moi, quand tu reviens à mi-temps, donc à la pause, à 2-0, après, je pense qu'il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques, parce que de toute façon, à 2-0, le match est perdu. En première mi-temps, ils auraient pu en prendre un peu plus aussi, parce que quand Pogba, il a dit qu'elle monte sur son genou, là, que Mehdi Jamel la met au-dessus de la barre, la met au-dessus du but, hein. Bah peut-être qu'il fallait démarrer, comme certains l'ont dit, peut-être avec deux attaquants. Pour. C'est ça que j'y reproche à Mardaf. Bon, je critique pas son équipe, mais c'est ce que j'y reproche, qu'il joue qu'avec un attaquant. Et ça, c'est pas normal. Bon, après, je ne suis pas d'accord avec lui. S'il m'entend qu'il écoute la radio, je ne suis pas d'accord avec lui. Bon, c'est dit, en tous les cas, on a vu que tu n'étais pas d'accord. Tu voilà, c'est sur un match comme ça, tu sais que tu joues le 18e. Bon, tu sais que tu joues le 18e. Vu que tu es 3e au classement, c'est sûr que tu es attendu. C'est sûr. Après, c'est sûr que quand on joue avec un attaquant de pointe comme ça, il faut absolument que les milieux offensifs qui sont derrière soient très performants. Parce que c'est sûr. Il faut vraiment qu'il soit très performant, très mobile. Oui, ça reste quand même un bon point pris, parce qu'on aurait pu traîner le perdre. Oui, bien sûr. Non, mais c'est sûr qu'à la finale, oui. Ça reste toujours un bon point, surtout qu'il reste. Comme je te disais, c'est jamais facile d'aller gagner à Furiani. Oh, ben, c'est jamais facile déjà de revenir de 2-0 à 2 partout déjà. Ah oui. Déjà, faut pouvoir. L'entraîneur de Barça, il était foutrange, hein. Oui, bah, il l'a dit. Hein. Il a dit que son équipe, peut-être, à un moment donné, a été un petit peu suffisante aussi. On se dit que c'est gagné. Mais non, c'est jamais gagné, surtout en Ligue 2. Un match n'est jamais terminé parce que tout le monde peut battre tout le monde. Comme disait Omar Naf, le championnat, c'est un marathon. Ah oui. Il n'y a aucun match qui était facile, là, qu'il disait. Hein. Non, c'est ça. Puis je pense qu'à un moment donné, il va falloir que les. Moi, je pense, hein, après, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il va falloir renforcer cette équipe. On est 5e pour le moment. On est dans le bon wagon. Et il va falloir donner justement à l'entraîneur, c'est-à-dire Omar Daf, les moyens de rester déjà dans ce bon wagon et puis d'aller chercher, si c'est possible. Si c'est possible, autre chose. Hein, comment... comment Parce que. Comment encore Bon, c'est vrai que la semaine dernière, je n'ai pas pu appeler parce que je ne sais plus ce qu'il y avait, je ne sais plus quoi. Oui, bah après, chacun et appelle tout qu'il peut. Le match contre Pau, c'est pareil. C'est un milieu offensif qui donne le but de la victoire. Mais c'est vrai que un match, il n'est jamais gagné tant que c'est pas, le coup de sifflet final n'est pas sûr, donné. Bien sûr, il faut jouer jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, l'adversaire peut craquer. C'est ce qui s'est passé avec Pau. Il faut toujours aller de l'avant. Après, mais sur le... comment dirais-je? Sur le premier but, sur le premier but de Bastia, là, que, comme je te dis, qu'il est hors-jeu, parce que il est, on voit bien sur le ralenti, quand il montre, il est derrière le gardien. Oui, c'est ça. Et il est couché au sol. Mmh. Bon, s'il ne la touche pas, si Bastia est couché au sol, il ne la touche pas, bon d'accord, le but est la validité, voilà. Mais là, vu qu'il est derrière le gardien, il est hors-jeu, c'est obligé. Mais oui. Ça, c'est toujours pareil. C'est au juge de touche de faire son boulot. Hein. Bah, c'est surtout qu'il va falloir mettre la VAR en Ligue 2. La chose c'est qui est évidente, c'est celle-ci. La VAR en Ligue 2. C'est la VAR est en Ligue 1. On veut professionnaliser. Moi, je dis, la fédération n'est pas assez sévère parce que. Bah, en fait, on veut. Pas du tout son. Parce qu'il y a déjà la VAR en Ligue 1. Et même en Ligue 1, avec la VAR, il y a. C'est vrai, ça va vite, mais sur l'isation, il y a quand même des erreurs avec la VAR. Oui, mais avec il y en a quand même. C'est vrai qu'on aurait la VAR en Ligue 2, si on en a la VAR, que l'arbitre voit le hors-jeu, il annule le but. C'est surtout que la VAR quand même règle 80-90% des actions litigieuses. Bon, il y a toujours ce petit 10-15% d'actions qui sont même des fois compliquées à avoir aussi à la VAR. Et aussi, ils peuvent se tromper, hein, c'est des êtres humains. Ça enlève quand même 80%. C'est sûr que c'est pas facile, parce que, comment, sur le... Bon, j'en viens sur le premier but. Après, c'est vrai, c'est pas facile. Ça va tellement vite que c'est une action, c'est une décision difficile à prendre, quoi.
Bon, après, ils sont deux. Hein. On voit l'arbitre central, on voit l'arbitre de touche aussi également. Oui. Bon, c'est vrai, que, comme tu le dis, non, mais c'est vrai, ça va très vite. Et c'est pour ça qu'il faut mettre la VAR. Après, la Ligue veut professionnaliser. Bon, la Ligue 1, c'est déjà professionnel, la Ligue 2 aussi. Et peut-être créer une Ligue 3. Mais aussi, il faut mettre les moyens derrière. Il faut aussi la VAR pour l'équité, déjà, rien que ça, de tous les clubs. Et c'est vrai que c'est important. Après, on parle que c'est un problème financier, qu'on ne peut pas mettre la VAR sur les stades de Ligue 2. Mais il va falloir... Il va falloir quand même trouver l'argent. Et non, puis, je pense mettre la VAR, c'est important. Sûr, parce que... Moi, je dis, la Ligue, ils ne sont pas assez sévères. Ils devraient faire comme en Angleterre. Parce que je ne sais pas si vous avez vu le nouveau règlement en Angleterre. Non, je n'ai pas fait attention encore. Ils ont la VAR. Et le premier arbitre qui fait une erreur, apparemment, il est sanctionné. Je l'ai vu ça. Alors, on devrait faire comme les Anglais. Bah après, de toute façon, les arbitres sont supervisés hein, partout hein, en France. Ah oui. Les arbitres sont notés. Hein. Même en National 3, hein, les arbitres sont notés. C'est pas facile. Hein. Et puis, comme je te dis, ça va tellement vite que... Oui, bien sûr, ça va vite. Hein. C'est ça aussi. C'est comme ça. Bon, samedi... Mais c'est quand même un bon point pris, parce qu'on aurait pu perdre, mais on aurait pu gagner aussi. Hein. On aurait pu gagner, mais en jouant un match 90 minutes. Il faut espérer que Toulouse joue quoi que Rodez ce soir. Il joue Rodez, oui, c'est le derby du Sud-Ouest. Oui, il faut espérer que... C'est à Toulouse ou à Rodez ? C'est à Toulouse. À Toulouse. Il faut espérer que... Bon, on a 32 points, nous. Hein. On a 32 points, c'est ça. 32 points, donc 32 points, si Toulouse gagne, ça fait 4 points, le premier, c'est pas énorme encore, quoi. Il faudra battre Valenciennes la semaine prochaine, quoi. Ouais, pour le moment, il faut surtout rester dans... Voilà, il faut battre Valenciennes la semaine prochaine, déjà pour bien terminer l'année, et puis avant ça... Il faut déjà éventuellement faire un résultat en Coupe de France samedi contre Nantes, quoi. Ben oui, t'es gagné les deux derniers, quoi, pour bien terminer l'année. Mais quand quand il a fait rentrer Tibili et puis Virginus, on voit quand même bien qu'il y a quand même plus d'impact devant quand même, il y a plus de vitesse. Hein. Bah là, sur ce match-là, quand ils sont rentrés, ils ont emmené ce qu'on leur demande sur les différents matchs d'avant. Ce n'était pas forcément le cas. Parce que, comme il a dit en conférence de presse, Marda, l'après-match, il a dit je leur avais demandé de la vitesse et de la percussion. Mais oui, mais c'est ça qu'on leur demande. C'est sûr. Et c'est vrai qu'on l'a vu. On l'a vu quand ils sont rentrés, ils ont emmené Lagnac. Ça fait mal à l'adversaire parce que c'est un contre-match quand même. Mais bon, c'est vrai sur le deuxième but, on a un peu de chance parce que le gardien il la touche apparemment. Hein, le gardien. Oui, mais après il en faut de la réussite. Oui. Non, mais au moins il a pris sa chance. Il a frappé à 20 mètres et ça on le voit très peu souvent. Et c'est bien. Il faut qu'il continue. Il a bien fait tenter. Bien sûr. Bien sûr. Mais il faut tenter. Comme disait Hervé Blanchard, il disait Kalulu, il ne faut pas jouer dans les airs avec lui, il faut jouer au sol. Ah, bah oui, c'est sûr, il fait 1m60. Comme il est. Non, mais c'est vrai. Comme il n'est pas très grand et puis rapide. Il fait 1m60. Le meilleur jeu, c'est de jouer au sol, quoi. Bah, bien sûr, de toute façon, il fait 1m60. Faut pas lui envoyer des ballons aériens, il faut lui mettre au sol, bien évidemment. Il est rapide, on l'a vu avec le défenseur de Bastia. Hervé Blanchard. Dans le cours du match, hein. Oui, après, c'est sûr qu'il faut pas lui mettre des ballons aériens, il faut lui mettre des ballons au sol. C'est quand même un bon point pris. Sinon, on va pas jeter à la poubelle. On va le garder. Allez, donc on se qualifie contre Nantes et puis on gagne contre Valenciennes, ça termine l'année. Moi, ça me va. Voilà, en beauté. Après, on peut passer les fêtes de Noël tranquille, exactement. Au chaud. Exactement. Merci. Moi, j'ai encore une semaine, la semaine ci, puis la semaine prochaine, puis après, je suis en vacances. Eh bien, on te souhaite d'ores et déjà de très bonnes vacances, et puis on se retrouvera à la rentrée. La semaine prochaine, il y a émission, je pense, non ? Pas la semaine prochaine, non. On se retrouvera en, d'accord, okay. Oui, en 2022. On se rappelle à la rentrée, je pense. Ah, bien sûr, on se rappelle à la rentrée, en 2022. Eh bien, il n'y a pas de souci. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée, puis de bonnes fêtes de fin d'année, puis allez, c'est chaud. Eh bien, merci beaucoup, Bernard. On te souhaite la même chose, et puis à très bientôt, en 2022. Bonne chose. Merci à toi aussi et à ta famille. Bonne chose. Et puis à l'année prochaine. Bonsoir. Bonsoir. C'était Bernard qui nous appelait justement et qui nous donnait un petit peu ses pronostics pour ce week-end et puis peut-être aussi pour la semaine d'après contre Valenciennes. Allez, un petit mot aussi des jeunes socialiens qui étaient donc
alignés en Gambardella et qui se sont inclinés au tir au but face à Strasbourg. Et on va avoir la réaction justement. Il y a eu 2-2, hein, 2 partout à la fin du temps réglementaire, des buts de David Mokwa et puis Sodic Adjumo. Et puis la réaction de Pierre-Alain Fro qui dit: match intéressant contre un adversaire plus mature que nous physiquement et dans le jeu. Nous avons pu rivaliser par une grosse débauche d'énergie et une grosse solidarité. Nous avons réussi à apporter du danger pour au final avoir plus d'occasions que notre adversaire. La qualification s'est jouée au tir au but que le RCSA Strasbourg, hein, bien évidemment, a remporté après 7 tirs. Malheureusement, l'aventure s'arrête là cette saison. Mais on ne peut rien reprocher aux garçons. Donc c'était justement le propos de Pierre-Alain Fro, l'entraîneur des U19 du FC Sochaux Montbéliard. On va regarder le programme de cette dernière journée en Ligue 2 avec tout d'abord ça sera le mardi 21, c'est un jour de semaine. Attends, on t'entend pas. Oh là là, mon Dieu. Excusez, je comprends pas pourquoi ça. C'est bizarre, les trucs. C'est un petit peu étrange. Pardon. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'est pas dans notre volonté. Hein, ça. Ouais. Bah, coupe le micro, tant pis, il y a du mien là, je crois. Ton micro est. Il y a quelque chose sur ton micro, c'est pas possible. Bah surtout qu'il n'y a plus rien là. Si, ça y est, c'est reparti. Non, je sais pas, je comprends pas trop parce qu'en plus ton micro il est au minimum. Donc. Ça a marché tout à l'heure, je ne comprends pas. Vas-y, retente. Ça marche ? Je n'entends plus rien là. Non, il n'y a plus rien du tout là. Il n'y a plus rien. Hein ? Bah si, après on t'entend, mais vas-y, tu peux y aller, vas-y. C'est bon ? C'est bon ? Vas-y, on t'écoute un petit coup. Je disais, le mardi c'est la Ligue 2, mercredi c'est la Ligue 1. Ça va être comme ça la semaine prochaine. Donc. Ah, décidément, nous avons des petits problèmes de son. Voilà, ça parlait Arsène. Bon, tant pis, je ferai bon. Il faut une solution pour que je puisse donner ma rubrique régionale. Mais bon, on a des petits soucis techniques. Non, bah écoute. Je crois que ça vient du mien parce que le mien, il fait pas ça. Le tien, il ne fait pas ça, oui. Surtout qu'on n'a rien changé du tout, donc je sais pas. Mais... Je vais peut-être changer de micro, je sais pas s'il faut. Bah écoute, je sais pas. Essaye sans le mien déjà, on va voir. Ouais, je crois que ça vient du tien, je crois. Oula, non, c'est pas mieux. Voilà. En fait, c'était pas le bon micro que t'avais, je crois bien. Non, je plaisante. Bon, attends, je crois qu'on entend encore des Larsen derrière là. Oui, il y a encore des petits Larsen, mais bon. Je disais donc le mardi c'est la Ligue 2 et mercredi c'est la Ligue 1. Bon bah écoute. Bon ouais, donc ça va être comme ça la semaine prochaine donc. C'est bien ça, donc on aura. Allez, je recommence. Je sais pas si ça marche bien, mais je ne sais plus si tout fonctionne. Là on ne sait plus, donc j'espère que vous vous entendez toujours bien. Allez, donc cette 19e journée avec à 20h45 ce mardi 21 décembre. Il y aura bien évidemment Sochaux Valenciennes. AC Ajaccio Grenoble, Auxerre-Le Havre, Nancy-Dijon, Nîmes-Toulouse, Paris-FC Amiens. On aura également Guingamp-Dunkerque, Quevilly-Caen, Niort-Pau-FC. Et puis Rodez-Bastia au classement. L'AC Ajaccio est en tête avec 35 points. Mais comme vous l'avez entendu, Toulouse, en cas de succès face à Rodez, reprendrait la tête de cette Ligue 2. Toulouse qui compte 33 points. Auxerre est 3e avec 33 points. 4e, le Paris-FC, 33 points. 5e, Sochaux, 32 points. Et puis 18e, Bastia, 19 points. Et on retrouve 19e, Dunkerque, 16 points. Et puis 20e, Nancy, qui ferme la marche avec 12 points. Classement des buteurs, Rhys Ellet, le buteur de Toulouse. On est à 12 buts. Et bien, Fred, ça va être à toi pour lancer justement la page. On va parler de FCSM, l'équipe de FCSM qui n'a pas pu jouer son match ce week-end dans le derby face à Grand-Villard. Il n'y a pas eu beaucoup de matchs, hein, d'ailleurs, ce week-end. Donc, non, déjà la Nationale 2, déjà, ça c'est sûr, hein, avec la 14e journée où dans le groupe B, la SMB Force s'est imposée du côté de Beauvais, 1-0. Au classement, les Belfortins sont 10e avec 17 points. Dans le groupe C, j'aurai su de recevoir le FC Martigues, ancien pensionnaire de Ligue 1 et Ligue 2 aussi, pendant de nombreuses années. Et ben, ce sont les Martigues qui sont imposés du côté du Jura Sud, 4-1. Au classement, Jura Sud est 13e avec 14 points. Excusez-moi. C'était la 10e journée de National 3. Alors, outre Grand-Villard et FCSM, le match entre Valdin-Anversel et Céa Protarié a été aussi reporté.
à cause de la neige qui est tombée ces jours-ci. Excusez-moi. Alors, le Besançon Foot s'est déplacé du côté du Jura de Loire. Mais ça s'est terminé sur un match nul de but partout, alors que les Jurassiens menaient 2-0 à la mi-temps. Et puis, le grand format du week-end, c'était le match entre le Racing Besançon et Immortau Montlebon. Où les Bisons se sont imposés 4-1. Eh ben, cool. Ouais, ben c'est la 10e victoire. Hein, c'est, on... 10 matchs, 10 victoires. La 10e victoire. Eh oui, 10e victoire pour le Racing. 10 sur 10, c'est la bonne note. Ah, bah, l'école, en tout cas, c'est une très bonne note, 10 sur 10. C'est déjà une bonne augure pour la trêve qui est du coup, jusqu'au 15 janvier, avant le déplacement du côté du Serpentardier en plus. Eh oui, c'est ça. Ça sera une trêve qui va durer un mois. Eh bien, qu'est-ce qu'on va au classement, peut-être avant de passer à réaction. Allez, vas-y. Alors, outre le Racing Besançon, je ne reviens pas sur son classement au premier avec 30 points. Ensuite, suivent Guignon et Jura de Loire qui sont deuxième à égalité avec 17 points. Grand-Villard, malgré son match en moins, est cinquième avec 15 points. La réserve du FC Sochaux Montbéliard est sixième avec 14 points. Le Besançon Foot est huitième avec 12 points. Le Serpentardier est dixième avec 9 points, mais avec deux matchs en moins. Immortau Montlebon est treizième et avant-dernier avec 7 points. Et Vadin-Versailles ferme la marche 14e avec 1 point. Mais compte 2 matchs en retard. Et on va écouter tout de suite les réactions. Avec tout d'abord également Sébastien Mazzotti, l'entraîneur de cette équipe du FC Immortau Montlebon. Et puis ensuite dans l'ordre, Jean-Marc Trinita, l'entraîneur du Racing Besançon. Et puis également Nathan Epaillard. Et justement, on va parler du Paris Saint-Germain, car il a eu la chance de s'entraîner, notamment avec Thiago Motta. On est avec Sébastien Mazzotti après la défaite du FC Immortau ici au Racing Besançon. On savait que le challenge était compliqué, vous veniez affronter le leader. Première période compliquée, vous avez un seul tir cadré, c'est ce coup franc. En seconde période, vous êtes rentré, on l'a vu, avec plus de détermination, vous touchez même la barre transversale. Au final, le score est un petit peu sévère. Quelle est votre analyse sur cette rencontre? Ouais, je suis assez d'accord avec vous. C'est vrai que déjà on ne savait pas trop où on mettait les pieds en termes d'intensité. Nous, ça fait 2 semaines que c'est très très compliqué dans le Haut-Doubs. Mais ça n'excuse pas tout. J'ai trouvé les comportements des joueurs un petit peu défaillants sur les 30 premières minutes. Je pense qu'on finit bien la première mi-temps. On a des bonnes séquences de possession pour terminer la mi-temps. Malheureusement, il y a le dernier centre, la dernière passe qui n'est pas juste. Donc on a régulé à la mi-temps, j'ai trouvé notre entame de deuxième mi-temps bien meilleure, avec de bonnes intentions, qui répondaient un petit peu plus au plan de jeu. Maintenant ça ne nous a pas souri. Après, je regrette ce manque de réussite à 1-0. Je pense que Journeau, il fait le geste juste, mais avec un peu plus de réussite, il peut marquer. Et juste après, on doit au moins égaliser. Après, c'est une défaite qui est logique. On est tombé face à une belle équipe qui est consistante, qui a des qualités dans toutes les lignes, même sur le banc. C'est le foot, c'est logique. C'est un peu déçu sur le contenu, mais ça reste une défaite logique. Qu'est-ce que vous aviez demandé justement à vos joueurs d'entrée de match là? De mettre la pression ou... Après les consignes, on va pas les dévoiler maintenant. Je peux vous donner les axes. Après oui, c'est sûr que déjà c'est d'être solide, de passer la demi-heure de jeu, parce qu'on pensait que logiquement le Racing allait avoir la possession du ballon et nous faire mal dans le fait de nous attirer sur une partie de terrain pour jouer dans une autre. On passe ces 30 premières minutes sans trop exister, mais sans être vraiment en danger. Donc ce qui est dommageable, c'est ce premier but. Je pense que ce genre d'équipe n'a pas besoin des cadeaux des autres équipes pour créer des décalages et prendre des buts. Malheureusement, aujourd'hui, on fait des cadeaux. Donc ça nous a desservi. Puis du coup, ça a servi de Racing. Oui, c'est vrai qu'en plus, vous sortiez d'un match il y a quelques temps contre Jura de Loire, match nul. Un bon match aussi en Coupe de France face à Dijon. On sait que c'est un championnat assez homogène. Mais pour le moment, c'est vrai qu'il faut des points. Oui, non, ça fait un mois qu'on était... On était mieux dans le jeu, même parfois bien. Je mets dans ces matchs la Coupe de France, Nogent-sur-Seine, Grand-Villard chez nous, Jura de Loire là-bas, je trouvais qu'on était cohérent en tout cas. Bon, le match de Dijon, je le mets un petit peu de côté parce qu'il y avait ce côté un petit peu émotionnel où c'est pas pour nous, les joueurs ils sont surpassés, donc sur un événement posé, on arrive à se surpasser. Sur plusieurs événements
qui se suivent, c'est un petit peu plus difficile. Mais c'est vrai que ça fait un mois, on était mieux dans le jeu. Maintenant, je ne vous cache pas que ça fait deux semaines que c'est la grosse, grosse galère. L'état des routes, c'est une catastrophe. Faire venir les joueurs, à quel prix, compte tenu de la difficulté, voilà, moi, je préfère qu'ils soient en sécurité. Maintenant, ça nous appartient, c'est de notre ressort. Hein. On est à Morteau, on savait en signant là-bas. Les conditions sont compliquées, ça c'est une chose, c'est un fait. Maintenant, voilà, quand on parle d'équité, vous entraînez deux semaines dans l'année et les autres clubs s'entraînent à peu près normalement. Vous comprenez que c'est quand même plus difficile d'attaquer les matchs. En tout cas, on ne sait pas trop où on va. Donc le reprocher aux garçons aujourd'hui, non. On s'est planté, je me mets dedans également. Maintenant, je sais qu'on va rebondir. Je les attends déjà dès la semaine prochaine, si ça joue. Et puis notre reprise en janvier, voilà, il y aura pas d'excuses, si ce n'est les conditions, mais les conditions, on les connaît. Et puis ces matchs reportés également, quand il n'y a pas de compétition, c'est encore plus compliqué. Bah, compliqué, oui, après, si ça doit jouer, autant s'entraîner. Maintenant, si on ne peut pas s'entraîner, nous, l'idée, c'est quand même de ne pas proposer quelque chose le week-end. Donc on est un petit peu entre deux, on ne sait pas trop. Bon, contre Dijon, c'était particulier dans le sens où tout nous a été fourni, des bâches, le terrain était protégé. Maintenant, les bâches, ils nous les ont amenés et ils nous les ont gentiment renlevés 4 jours après, quoi. Alors, c'est vrai que bon, c'est pas encore la fin des matchs allés, mais c'est le dernier match de l'année 2021. Quel bilan vous faites jusqu'à maintenant de votre équipe ? Il nous reste Val d'Aon. C'est parti pour... Le match en retard a été replacé dimanche prochain. Le bilan, ouais, c'est toujours dur à effectuer en cette période, sachant que bah, déjà il nous reste Val d'Aon, qui est un candidat direct pour le maintien. Après, je pense qu'il est un petit peu élaboré par la coupe. C'est vrai que la coupe, ça nous a mis dans une dimension un petit peu, de, comme je disais tout à l'heure, de surpassement, de don de soi. On a eu la chance de jouer quand même 4 matchs à domicile en coupe. Donc ça nous a mis un petit peu dans cette euphorie. Après, il n'y a pas que le don de soi et le surpassement. Il y a quand même des garçons qui ont de la qualité. Maintenant, il faut que ces garçons-là, ils s'entraînent, ils puissent s'entraîner, et ils puissent se rendre disponibles, qu'ils fassent les efforts qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, clairement, sur les 30 premières minutes, c'était pas mes garçons que d'habitude. Merci beaucoup, Sébastien. On vous souhaite un bon match contre Val d'Aon, et puis on se retrouvera sans doute en 2022. Merci à vous. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année aussi également. Merci, bonne fête à vous, à tout le monde. Au revoir. On est avec l'entraîneur de Racing Besançon, Jean-Marc Trinita. Bonsoir. Pour la 10e journée de championnat national 3, le dernier match de cette année 2021 face au FC Morteau Montlebon. Premier but, voilà, entame de match pour le Racing Besançon. Il y a ce premier but qui arrive au bout d'une demi-heure. Le FC Morteau n'a pas eu beaucoup d'occasions dans cette première partie, seulement un coup franc. En deuxième période, les Mortuassiens reviennent avec d'autres intentions. Il y a cette barre transversale. On a l'impression que cette barre justement a réveillé un petit peu l'équipe et ensuite vous avez déroulé. Oui, c'est un drôle de match. Comme je disais tout à l'heure, il va falloir que je le regarde à la vidéo tranquillement parce que bon, on a le ballon, pendant les 30 minutes on a le ballon, mais on ne crée pas énormément de danger, de décalage, on manque un peu de rythme, de changement de rythme surtout. Voilà, mais on n'était pas non plus en danger, donc voilà. Ben, comme les autres matchs, on pensait que ça allait venir naturellement. Hein, c'est ce qui se passe depuis 10 matchs. Donc voilà, on ouvre le score à la 30e. Après il y a Morteau revient un petit peu dans la partie. C'est vrai que cette barre, bah, comme des gosses qui se brûlent, ça nous a réveillés. Et puis on a enchaîné, on a joué tout de suite plus vite. Donc c'est déjà pas un problème physique parce qu'on avait la capacité à changer de rythme et à jouer. Mais voilà, on a eu du mal un petit peu à se trouver et à jouer pour marquer des buts en première mi-temps, je pense. On n'avait pas assez de mouvements coordonnés, on n'avait pas assez d'appels, on n'avait pas. Ça manquait de peps, ça manquait un peu de peps. Puis après, c'est vrai que le pénalty loupé aussi, on n'a pas douté. Ça aurait pu nous chagriner un petit peu, mais non, on a marqué 3 minutes derrière. Après, ça a déroulé. C'est vrai qu'ils ont pris un coup derrière la tête entre la barre qu'ils font, le pénalty qu'on loupe et le but qu'on met juste derrière. Oui, ça les a un petit peu assommés. Après, malgré tout, je ne les ai pas trouvés spécialement en manque de rythme, malgré les 15 jours qu'ils ont eu avec les difficultés qu'on sait pour s'entraîner. Mais non, ils ont disputé crânement leur chance. Je pense qu'ils ont fait le match qu'ils voulaient faire. Après, les faits de jeu sont contraires pour Morteau, mais
Je pense que leur plan était savamment étudié et ils ont joué leur match de façon courageuse. Il n'y a rien à dire là-dessus. Nous, je nous ai trouvé un peu mou. Après, voilà, on va pas faire la fine bouche non plus. Hein. 10 matchs gagnés, 30 points début décembre. Quand je pense que moi, quand je suis arrivé au Racing, il y avait 8 points au mois de février. Là, il y en a 30 au mois de décembre. Donc voilà, c'est assez exceptionnel. Faut pas bouder notre plaisir. Voilà. Bien sûr, tout n'est pas parfait, mais est-ce que la perfection est de ce monde? Je pense pas. Donc voilà, on a fait l'essentiel ce soir, on a marqué des buts aussi. Ça nous arrive la dernière fois, je crois que c'était à Valdaon, 4-1. Donc voilà, on est très content de cette première partie de saison. Et après prédire l'avenir, c'est difficile. Je préfère le créer, je préfère que les joueurs le créent dès le 15 janvier au mois de à Pontarlier. Ça ne sera pas un match facile aussi. Évidemment, on connaît tous Pontarlier, on connaît tous les derbies Racing Pontarlier. Voilà, on sait que ce sera difficile. Sur ces matchs-là, on oublie les classements. Il n'y a pas de classement. Les Racing Mortaux ou les Racing Pontarlier, il n'y a pas de classement. Voilà, on sait que c'est des matchs difficiles, âpres. Voilà, mais on sera prêt, on va bien récupérer, bien savourer. Et on sera prêt dès la reprise. Oui, puis c'est vrai. Puis c'est vrai que le Racing Besançon enchaîne les victoires. Il faut toujours aussi placer cette exigence au plus haut. C'est toujours compliqué aussi de la maintenir. Ben oui, voilà, c'est ça. On cherche l'exigence plus. Voilà, c'est vrai que c'est difficile de faire mieux. 10 victoires sur 10, voilà. Mais il faut, comme je disais aux joueurs dans la causerie, il faut que l'exigence soit au-dessus du classement. Il ne faut pas se contenter de gagner les matchs. Il faut aller chercher plus. Il faut aller chercher encore chacun d'entre eux dans leur zone, encore plus. Et vraiment développer un jeu. Attention, hein, on est très contents. Hein. Mais on aimerait beaucoup plus de liant, beaucoup plus de tranquillité, de sécurité, beaucoup plus de changement de rythme, beaucoup plus de maîtrise. En gros, beaucoup plus de maîtrise et un peu plus d'allant, un peu plus de création de jeu, un peu plus de choses comme ça. Quoi. On va s'y atteler en début janvier, pas de problème. Oui, c'est vrai que c'est ce genre de match où il faut être direct tout de suite, quoi, parce que c'est vrai qu'un 1-0, on n'est jamais à l'abri. On l'a vu avec cette barre transversale. Il faut tuer le match tout de suite, quoi, en fait. C'est ça qui est toujours difficile. Ouais, nos entames de match depuis Paron sont un peu, je dirais, un peu molle. Voilà, il faut absolument qu'on arrive à des. Mais il faut aussi pour ça que les joueurs ont cette petite anxiété de match. Est-ce qu'ils l'ont en ce moment? Parce que tout leur sourit, tout se passe bien. On est à 10 victoires. Voilà. Moi, je pense qu'on fait un meilleur match quand on a cette petite boule au ventre avant chaque match. Voilà. C'est cette petite boule au ventre qui permet d'être super vigilant, d'être super dans le match, d'être super concentré. Si on n'a pas ça, c'est plus difficile. Alors après, les joueurs, on sait qu'il y a des très bons joueurs dans toutes les lignes au Racing Besançon. Ce n'est pas le problème. Mais il faut quand même se forcer à faire des entames de match beaucoup plus convaincantes. Oui, ça s'appelle aussi respecter l'adversaire. Si l'adversaire doit en prendre 5-6, il en prend 5-6, c'est aussi ça. Oui, après les buts, on les marque ce soir, mais ça fait rien. C'est un petit goût quand même d'inachevé parce que on avait demandé une bonne entame, sérieuse, conquérante, maîtrisée. Elle est maîtrisée, mais elle est maîtrisée un ton en dessous de nos espérances. Voilà. C'est là que le bas blesse. Voilà. Il faut qu'on soit plus créateur de jeu et plus d'allant dans notre jeu collectif, plus de liant aussi, plus de liant. Voilà, c'est ça qui nous manquait un peu ce soir. Mais bon, l'objectif est largement atteint. Hein, je vous dis, voilà, 30 points au mois de décembre. Bilan est superbe, hein, d'image de victoire, 30 points. Il faudrait remonter, moi c'est pas trop mon boulot, mais il faudrait remonter dans les annales du Racing, voir si c'est déjà arrivé au niveau national. Voilà. De mémoire, parce que je suis quand même un ancien de la maison, je la connais bien, de mémoire, je crois pas. Donc voilà, félicitations aux joueurs, félicitations au staff, aux dirigeants, tout le monde a bien travaillé. Et vous savez, je pense que 10 victoires comme ça sur 10 matchs, je pense que c'est une osmose au sein du club qui est plutôt bonne. Voilà, tout le monde travaille dans le même sens, à tous les étages, au siège et tout ça, tout le monde se donne à 100% cette saison pour que ça réussisse. Donc voilà, c'est pas un hasard. Si on fait 10 victoires, c'est pas un hasard quand même. J'allais vous le dire, il n'y a pas de hasard. Tout le monde tire dans le même sens et c'est ce qui fait aussi les résultats. Oui, et après, bien évidemment, hein, on va pas se caresser le nombril parce qu'on est loin de l'arrivée. Il y a toute la poule retour, plus 3 matchs très importants pour nous au mois de janvier, où c'est des adversaires
plutôt plus, d'accord, Sochaux, bien évidemment, le BF et aussi Pontarlier. Donc voilà, c'est trois bons adversaires, et ben, c'est pas plus mal de les prendre au mois de janvier, voilà, ça nous mettra tout de suite dedans, à nous de bien nous préparer, de festoyer un peu comme il se doit, mais d'être très sérieux aussi. Voilà, j'en profite aussi pour souhaiter de bonnes fêtes à tout le monde. Profitez bien de ces moments chaleureux en famille et on se retrouvera début janvier, je pense. Et quel va être justement le programme pour les joueurs? Je suppose qu'ils ont un programme également, parce que les fêtes, c'est bien, mais il faut s'entretenir aussi. Oui, ouais, alors là-dessus, je suis plutôt serein. On a des garçons très pros dans la mentalité. Voilà, il n'y aura pas de soucis. La première semaine consacrée au repos et dès la deuxième semaine de congé, chacun chez eux aura un programme. Un peu plus poussé pour ceux qui ont moins joué, un peu plus light pour ceux qui ont fait tous les matchs. Voilà, le prépa physique s'occupe de ça. Voilà, pour retrouver tout le monde prêt à en découdre dès le mois de janvier. Merci coach, on vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et puis on se retrouve ici au stade de Lagrange en 2022. Bonne fête à tous, bien, au revoir. On est avec Nathan, victoire ce soir du Racing Besançon face au FC Morteau. C'est la 10e de suite. Un match qui a eu du mal à se décanter avec cette première demi-heure où Morteau jouait avec un bloc assez bas, il vous attendait. Ensuite, en seconde période, ça s'est débloqué et c'est surtout la 10e victoire de suite. Comment tu analyses un petit peu cette rencontre? On savait que contre ce genre d'équipe, il faut être patient. C'est un bloc bas avec 5 défenseurs. Faut pas s'énerver, faut pas se précipiter. On a eu la chance de marquer assez tôt dans le match, ce qui nous a mis en confiance, même si par la suite on a eu un petit temps faible. Même si le contenu n'était pas aussi bien qu'on l'espérait, le plus important c'est la victoire. On a vu qu'ils avaient accroché pas mal de gros dans le championnat et puis même en Coupe de France contre la Ligue de Dijon. Donc même si c'était pas parfait dans le contenu, le résultat il est top. Oui, après il y a cette entame de match pour Morteau, il touche la barre transversale et on a l'impression cette barre transversale avec ce pénalty aussi arrêté vous a un petit peu réveillé et puis vous avez accéléré à ce moment-là. Et je me trompe? On avait pour objectif de tuer le match rapidement en deuxième mi-temps. On a été un peu secoué d'entrée. Puis je pense que le pénalty nous a complètement remis dedans. C'était un mal pour un bien en finale. Et puis après, on a déroulé, même si je pense qu'avec un peu plus de sérieux, on ne doit pas encaisser ce but. Et puis on marquait un peu plus. Mais après, ça, c'est des détails. Et le résultat, il est quand même important. Donc on ne va pas se plaindre. Oui, c'est incroyable quand même. 10 victoires, 10e victoire de suite. Voilà, dans les annales du foot, ça ne doit pas arriver souvent, mais c'est aussi un challenge pour les joueurs de rester invaincus. Et comme on le disait avec le coach, il faut surtout placer l'exigence toujours au plus haut et se remettre en question à chaque match. Moi, personnellement, partout où j'ai joué, je n'ai jamais vu ça. Que ce soit les adversaires ou mon équipe, c'est du jamais vu, peu importe le niveau. Donc ça montre le niveau d'exigence qu'on met tous les week-ends, parce que peu importe l'adversaire, il faut marquer, il faut gagner les matchs. Donc on espère que la série va durer le plus longtemps possible. Après, le jour où elle s'arrêtera, ça ne sera pas une fin en soi. Il faudra repartir direct de l'avant. Mais on n'a pas forcément cette série en tête. Nous, notre objectif, c'est de gagner les matchs les uns après les autres. On n'est pas focalisé sur le nombre où ça va s'arrêter. C'est match après match. Et l'objectif, c'est, on le connaît de toute façon. Donc voilà. Alors tu as repris il n'y a pas longtemps avec le Racing Besançon. Hein. Tu as joué à Saint-Apollinaire, tu as joué ce soir. Physiquement, comment tu te sens? La blessure, c'est oublié? À l'heure actuelle, je me sens bien. J'ai eu un début de saison assez compliqué avec une grave blessure. Ça m'a un peu perturbé. À l'heure actuelle, je me sens bien. Je suis content d'avoir fait mon premier match complet à domicile. Et la saison, il reste beaucoup de matchs encore. Donc j'espère au fur et à mesure des matchs me sentir de mieux en mieux. Et voilà, moi je suis là pour aider l'équipe. Hein. Partout où le coach me mettra, je ferai le maximum. Mais bon, tant qu'il n'y a pas de blessure, tout va bien pour moi. C'est vrai que tu es arrivé cette saison, comment tu te sens au sein de ce groupe byzantin? L'adaptation a été un peu compliquée parce que c'est un groupe qui se connaît, et puis même les nouveaux qui sont de la région, donc j'étais on va dire le seul vrai nouveau de l'équipe, mais je me suis bien adapté, les gars sont cool, ils m'ont tout de suite mis à l'aise, il y a des anciens qui sont vraiment bienveillants, et puis là je me sens complètement dans l'équipe, hein. Il n'y a plus de nouveaux, il n'y a plus d'anciens, c'est tout le monde est au même niveau, hein, franchement. Alors c'est vrai que tu étais formé au Paris Saint-Germain, on te surnommait d'ailleurs Thiago Motta, hein, c'est ça, mais c'est vrai que physiquement, il y a de la ressemblance. Ouais, non, c'était la période avec le PSG de Laurent Blanc, avec Thiago Motta, Verratti qui était au milieu. Puis moi j'avais un peu ce même registre en formation. J'essayais de le copier, hein. C'est les coachs qui me le demandaient.
Donc ça m'a valu ce surnom, mais franchement, ça ne me dérange pas du tout. Hein. Je peux le garder encore longtemps, ce surnom. Il ne va pas me déranger. Mais bon, faut respecter le joueur. J'ai eu la chance de m'entraîner avec lui. Donc j'ai pu apprendre, je regardais tous ses mouvements, ses déplacements. Et franchement, il n'y a pas meilleur apprentissage. Hein. Et je remercie le PSG et tous les coachs que j'ai eus de cette formation-là. Oui, tu le dis, c'est vrai, c'est une grosse formation de voir aussi ces joueurs de très haut niveau se déplacer, même sans ballon. On apprend. Hein, c'est... Ah, c'est ça, ils mettent une exigence au plus haut. On peut penser que comme c'est facile pour eux, ils se relâchent un petit peu, mais pas du tout. À l'entraînement, c'était toujours à fond. Même avec les jeunes, ils étaient toujours là à nous donner des conseils et tout. Et franchement, un entraînement avec ce genre de joueur, ça vaut 10 matchs à n'importe quel niveau pour moi. Donc j'ai eu la chance d'apprendre. Et si aujourd'hui j'ai un peu de facilité dans le placement, l'intelligence de jeu, je le dois en grande partie à mes formateurs au PSG et bien sûr à ces joueurs-là que j'ai pu voir à l'entraînement. Comme on parlait d'exigence, ça en fait partie. Ces joueurs-là sont exigeants envers eux-mêmes à chaque match, car la pression elle est aussi énorme. C'est ça, et déjà qu'ils sont au top, on se dit que même en étant au top, ils sont super exigeants avec eux-mêmes. Donc nous, ça nous montre le chemin qu'on a à faire, le travail qu'on doit faire, parce que nous on est jeunes, on se dit un peu que tout va venir facilement, alors que pas du tout. C'est ça. Et puis bon, au bout d'un moment, il faut prendre une petite claque hein, qui nous réveille. Je l'ai eu cette claque en quittant le PSG. Et à l'heure actuelle, l'exigence, j'essaie de la mettre au plus haut possible tous les jours sans relâcher mes efforts, parce que l'endurance, c'est aussi mental. Donc j'espère qu'un jour, ça paiera. Mais bon, du moment que j'ai pas de regrets et que j'ai tout donné, moi, c'est le principal. Alors, ce soir, c'est la fête. Justement, il y a les fêtes qui arrivent, mais il y aura aussi un programme, car voilà, on peut profiter, mais il faut pas trop se relâcher. Bah, vacances de 2 semaines. Après, il faut quand même faire attention parce que. Ça va faire du bien mentalement aussi, physiquement, de couper un coup. Surtout mentalement. Mais il faudra pas trop se relâcher parce qu'on a un match rapidement contre Pontarlier qui arrive. Donc, avec le staff, on aura un petit programme. Et puis, à chacun d'être autonome. Hein. On se connaît, il faut pas trop se relâcher. Parce qu'à la reprise, il faudra être prêt individuellement. Ceux qui ne le sauront pas, bah, ça sera tant pis pour eux. Donc. Mais je pense que le staff va faire le nécessaire pour que personne prenne du poids ou soit un peu en méforme à la reprise. Oui, puisqu'il est bien dans ce groupe bisontin, on sent qu'il y a une concurrence saine, il y a vraiment un bon groupe. Ouais, non, on est une bande de potes, hein, franchement, il y a une concurrence. Mais c'est pas pour autant qu'il y a des clans, que ce soit les anciens, les jeunes, tout le monde est au même niveau. Même si on va à la salle ensemble, après les entraînements, on mange ensemble, on fait des soirées ensemble, franchement, c'est... Je ne sens pas de jalousie ou de nervosité dans le groupe, c'est rare, parce qu'à un certain niveau quand même, on peut le sentir parfois. Mais là, c'est bon, je ne sais pas combien de temps ça va durer, j'espère toute la saison. Quand on a 10 victoires de suite, il n'y a pas de hasard quand même. Ah, c'est ça, après c'est sûr que quand il y a des victoires, de toute façon, les joueurs ils peuvent pas se plaindre, ils ne peuvent pas se dire pourquoi je ne joue pas, etc. Mais que ça dure le plus longtemps possible, et c'est ça qui fera notre réussite sur la saison aussi. Hein. Merci beaucoup Nathan, on te souhaite de joyeuses fêtes à toi, à ta famille et puis on se retrouvera ici en 2022. Bah, merci à vous et bonne fête à tous les supporters, à vous aussi. Et oui, joyeuses fêtes à tous les supporters, n'est-ce pas mon cher Fred? Bon, c'est pas encore fini, c'est pas la fin de l'émission là, ça veut dire que c'est la fin. Non, on va parler en handball cette fois-ci, car il y a un événement en ce moment. Il y a un événement en handball. Oui. Et c'est quel événement? Alors, championnat du monde féminin. Ah, voilà, championnat du monde féminin en Espagne, où la France se dirige vers les quarts de finale après sa victoire face à la Serbie. Allez, on revit un petit peu quelques minutes de cette partie, car oui, il y a Lucie Granier, l'ailière droite de l'ESBF, qui est dans cette équipe. Et puis, on a aussi également Chloé Valentini, formée à l'ESBF, et qui vont jouer contre la Russie. Je crois que c'est ce soir, hein, c'est ça, à 20h30, si je ne me trompe pas, Fred. Donc, elles vont jouer ce soir. Mais on revient sur le match qu'elles ont gagné contre la Serbie. Et elles vont jouer pour la première place du groupe face à la Russie à 20h30. Mais là, c'était contre la Serbie il y a très peu de temps. Victoire 22-19. C'est parti pour ce deuxième match du tour principal dans le groupe 1. Les Françaises qui ont retrouvé leur maillot bleu commencent en défense face à la Serbie. C'est un match pour se qualifier pour les quarts de finale en cas de victoire pour l'équipe de France. Attention à cette équipe de Serbie qui est toujours en course pour les quarts et qui a montré de très belles choses avant-hier face au Monténégro. Laura Glaser était restée dans les buts, on n'avait pas fait de modif. Stojković, la passe vers la pivot, c'est Lisevic qui est là, qui a pris le dessus sur Béatrice Edwige et Grazani. La défense serbe qui est bien en place,
autour de Stojkovic et de Petrovic. C'est un Sercien qui repart avec Estelle Nzeminko. Là, ça s'est ouvert, mais c'était difficile à attraper ce ballon pour Coralie Lasource. Estelle Nzeminko avec de la continuité dans le jeu. Et Pauletta Foppa parfaitement servi avec Stojkovic. Grazadi qui vient percuter Ilicevic. Stojkovic, le ballon perdu encore une fois. Estelle Nzeminko et la montée de balle derrière avec Coralie Lasource servi par Zahadi. Et la lucarne de la capitaine de l'équipe de France. Servi par une ancienne Byzantine, ça fait longtemps hein, qu'elle est partie de Besançon quand même, Laura Glauser derrière ça. C'était bien joué. Mais Glauser encore une fois parfaite face à Agbaba. Estelle Nzeminko sur le jeu intermédiaire. Bon, elle va aller très très vite. Passage en zone de Petrovic. Ça permet aux Françaises de garder le contrôle du ballon. Océane Sercien avec Grazadi dans le jeu intermédiaire qui peut servir. Océane Sercien, le ballon touché mais qui rentre quand même. De Agbaba et de Lisevic aussi qui étaient dans ce coup. Pauletta Foppa avec Estelle Nzeminko, trois droits tirs sur la base arrière. Et la lucarne splendide. Le bon travail de Béatrice Edwige aussi pour empêcher Agbaba d'aller vers Grazadi. Derrière la parade de Laura Glauser sur le tir de Janusevic. La relance millimétrée vers Chloé Valentini qui va venir déborder Ristovic. La parade, elle a donné de son corps pour récupérer un ballon de plus. Janusevic qui navigue encore une fois dans les 9 mètres. Là, l'interception manquée par Sten Zeminko. Dans cette défense 1-5, hein, ça y est. C'est fait. Oui, on ne l'avait pas encore vu depuis le début de la compétition. Ça va se libérer encore une fois sur l'aile, le premier poteau. Voilà, c'était le match entre la France et la Serbie avec la victoire des Françaises qui vont jouer ce soir pour la première place de la poule face à la Russie. On leur souhaite bien évidemment la victoire. Direction la Pro League cette fois-ci avec le grand Besançon Doux Handball qui se déplaçait du côté de la Lanterne Rouge, c'est-à-dire Angers. Les Byzantins menaient à la pause 16-12. On se disait que ça se dirigeait vers peut-être une victoire. Eh bien les Angevins sont revenus dans cette partie et ont surtout réussi à égaliser 27 partout. On en reste là. Dernier match ce mardi. Ce sera le dernier match de l'année pour de l'année à domicile hein, pour le Grand Besançon Doux Handball. Les Byzantins recevront Caen à partir de 20h15. Donc, d'ailleurs, vous pouvez gagner des places ce soir. Si vous souhaitez venir assister à cette rencontre, vous nous appelez tout de suite 03 81 50 67 51. Prenez votre combiné, appelez-nous tout de suite et vous remportez vos places pour la rencontre. Et puis ce sera donc la dernière journée, ce sera la semaine prochaine pour les Byzantins qui se déplaceront pour la dernière de l'année 2021. Ils seront en déplacement du côté de Cherbourg le dimanche 19 décembre à partir de 16h. Mais avant ça, on les retrouvera ce mardi pour suivre un petit peu tout ce qui va se passer. Et bien aussi des défaites, MSA en National 1 masculine, avec le CS Vesoul qui s'est incliné du côté de Tremblay en France, et puis également le Beaube, c'est-à-dire à Belfort, qui s'est incliné lui aussi ce week-end. Donc ça n'a pas été des défaites du côté du handball National 1 masculine. Un petit mot sur le basket avec la défaite également du Bezac dans sa salle face à Golbey Épinal 87-67. Et puis par contre, une victoire aussi pour les Saint-Vitoises, l'US Saint-Vit qui s'est déplacé en région parisienne à Vaux-le-Pénil et puis qui s'est imposé 4-0. Donc les Saint-Vitoises sont en 16e de finale de la Coupe de France féminine. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle et bravo à elles pour ce long déplacement, mais c'est surtout pour cette qualification. Car c'est jamais simple d'aller jouer à l'extérieur. En plus, tomber sur une équipe qui était en R1 et dans le haut tableau aussi en région parisienne. Donc bravo à elle, belle victoire et on aura plaisir à les retrouver très prochainement. Bon, mon cher Fred, c'est terminé. Ah oui. On va clore cette émission et puis on se retrouvera, je crois, en 2022. Hein, c'est bien ça. Oui. On ne sait pas encore tout à fait quand, peut-être le 10 ou le 17 janvier dans ces jours-là. On le redira, on le dira sur les réseaux sociaux. Ce sera soit après le match contre le face au Havre, si c'est au déplacement au Havre. On verra, oui, on tiendra au courant tout le monde sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes de fin d'année.
Et puis on se retrouvera en 2022. Bonne fête de fin d'année aussi à toi, Fred. Bah, à toi aussi. Ta famille. Et puis on se retrouve en 2022. À Tine aussi. Bah, en 2022, oui. Allez, on se quitte sur la crinière du lion. J'espère qu'il va rugir le lion déjà contre bah, Nantes ce samedi. Bah, j'espère qu'il rugira deux fois. Hein. Exactement. C'est pas le téléphone qui sonne deux fois, mais... non, ni le train qui siffle trois fois, mais là c'est le lion. Vrai. C'est vrai. Et puis le téléphone, il y a eu quelques problèmes ce soir. La dernière fois, ça fonctionnait bien. Là, je sais pas ça. Il y a eu quelques petits problèmes, donc on espère que oui, que le lion va rugir deux fois de suite, donc samedi et puis mardi prochain. Bye bye, et puis on se retrouve en 2022. La crinière du lion nous a donné le cœur de figurer parmi les meilleurs. La crinière du lion qui nous caractérise et son rugissement, celui qui tire.